Yo tout le monde, c'est Soko Karnab, bienvenue pour ce nouvel épisode de Yu-Gi-Oh! GX, épisode 20. Ravi de vous faire cet épisode. Dans le dernier épisode, on a appris que le professeur Vipienzière, je l'appelle comme ça, a inventé le biomètre, le bibank, mais c'est le biomètre, qui mesure, soi-disant, l'énergie. Et plus il y a d'énergie, plus... Je vais pas trop spoiler la série, la saison 3. Ah, peut-être, les gens connaissent la série, je vais pas en parler. Donc, Monsieur Crocodile, Monsieur Crocro, Monsieur Dinosaure. Allez, c'est parti. Jadem se réveilla enfin, un peu sonné. Ding Krunk vient de Krunk qui avait détecté des ondes électromagnétiques qui semblaient fut des corps de certaines personnes. Quand ils avaient enquêté, voilà, Archibirui attaqua Shikrun. Donc, Archibirui, c'est... Comment il s'appelle David Cricket. Par surprise, clairement infecté par ses ondes et chronomagie, même le crocodile de compagnie de Jim Charley. Ça fait comme ça dans la série. Se comporta de la façon étrange. Ouais, je crois que c'est comme ça aussi. Quelque chose a l'air de t'éteindre. Ton instinct impulsif, mon crocodile Charley. Normalement, elle a équilibré une énergie positive et négative. C'est pas ici. C'est plutôt pourquoi je suis venu plus tôt. Je commence. Comment nous sommes serrés, rééquilibrer les choses. Nous commençons à trouver la source du problème. Attaque l'homme crocodile. Calme-toi, garçon. De quoi s'agit-il? Je comprends pas le choc. Le croc. Mais pourquoi il devient fou? Parce que David est à moitié animal. Oui, il a raison. Il a eu un incident au cours du feu allergique. Ils ont utilisé un os de dinosaure pour réparer sa jambe. Ça signifie qu'il a un ADN de dino dans son sang. Et c'est stylé ça. Je vais réparer mes os avec des os de dinosaure et comme ça j'ai là. Ça me fait penser à Power Rangers. La moitié de dinosaure. Je dois permettre que c'est inédit. Mais cela seulement. Donc, si c'est un combat qu'il veut, il peut compter sur moi, mon pote. Doigt duel. C'est pas la peine de devenir fou, juste ça, un match amical. J'adore bien sûr la série, hein, pour... Alors, comment ça marche la fusion? Golem. Je crois que j'ai les deux. Formulation. On va faire fusion. Formulation. Invocation spéciale en retirant ce monstre. Ah bah les deux cartes, d'accord. J'aurais pu mettre en mode défense. Allez, vas-y. Attaque-moi ça. Vas-y, mets un monstre au niveau 0. Thank you.
Une fois par tour, vous contrôlez les détruits au combat, tes yeux. Ok, j'ai activé mon monstre de taille. Bon, je vais en profiter, hein. Ok, ça c'est fait. Ah, bien joué. Un jeu de sa part. Bon, je pense qu'on a perdu ce duel. Bon, faut pas j'attaque sans. Bah, il va le faire. Aucune fusion que je peux faire. Oh, ça va faire mal. Oh, ça va faire mal, j'ai perdu. Alors... Lui c'est combien de... Ce soir monstre banni. Ah, j'aurais dû le mettre en attaque, j'aurais pu utiliser son effet. Ouais, c'est ça. Je vais faire un monstre de combien? De 2006.
D'accord, je pensais pas ça. Mal calculé, je crois que c'est 700. Bon, on a encore perdu, je pense. Quoique... J'ai fait peut-être une erreur. Ah ouais! Moi, quand je vous disais dans le dernier épisode, ça peut être court comme long. Ouais, après, ça a été pour des cartes, c'est vrai. De carte de pommisation qui va pas nous servir à grand chose, hein, quand même. Alors. Ah, c'est directement envoyé au cimetière, ok. D'accord. Vision. Golem suprême.
Il attaque sa main. Allez, 1000, c'est 1000. On a pas gros choix. Ah, punaise. Oh. Tu veux que je fasse de quoi? De 5, de 4 cartes magiques, je peux même pas utiliser. Bon, on a perdu encore les gens. Ouais, comment tu veux faire avec 4 cartes magiques? Tu peux pas les utiliser? Alors que je regarde. C'est sort par monstre retiré du jeu de type rocher. Tu veux que je fasse quoi avec les cartes? Je vais perdre moins de points de vie, je vais les utiliser comme ça. Moi je perds 100 points de vie. Soldat, j'ai un pire. Ouais. Non, au contraire. À 2000 de défense. Bon, je vais pas poser ma carte face cachée. Bon, pour l'instant, j'ai une bonne défense. J'ai qu'à compter pour le monstre. Ah, ça les donne.
Bon, les gens, les grands moyens, les grands remèdes, n'a qu'à pas me faire chier. Oh non! Toute ma stratégie! Ah, ça va se payer, ça. Ah, toute ma stratège. Ah, ça va se payer. Même mes propres... Même mon propre jeu est... Toute ma stratège. Ah, quel fumier. Ah, ça va se payer. C'est moi qui te dis. Dommage, c'est pas un type dragon, la magicienne. Et voilà les gens, les grands moyens, les grands remèdes. Je suis tout épuisé. C'est bizarre. Il y a quelque chose qui m'a pompé toute mon énergie. Je pense savoir de quoi s'agit. C'est ce biomètre. Oui, ça dit bon mot, moi je préfère dire comme la série. Je préfère juger une fois le duel terminé. Ils sont l'activité de son transformé en peluche. Je sais pas pour toi, mon pote. Je vais piquer un opinion. Ben, dehors, les garçons. Les étudiants se donnent à fond. Et je suis plus heureux de faciliter tout cela. Ok.
C'est dans cet épisode qu'on va se terminer. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner à la chaîne. C'était Soko49. Je vous dis bye tout le monde.